bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. C'est une joie de vous accueillir pour le thème du jour, rongé par la culpabilité. J'espère que ce n'est pas votre cas. Vous n'avez pas resté là-dedans. Alors, on va regarder cela dans le psaume 51 ce matin. On va regarder ça dans quelques instants. Alors, dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, cette belle ville. Merci de m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche qui apparaît maintenant. Ça ne coûte rien, c'est très apprécié. Et invitez d'autres à s'abonner et encouragez-les à suivre les matinales afin qu'ils soient encouragés tous les matins. Alors, on y va ensemble avec ce chant. Donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout ce monde, mais donne-moi Jésus. On y va ensemble, petite flèche pour les paroles du chant. Le matin de mon réveil, le matin de mon réveil, le matin de mon réveil, donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout ce monde, mais donne-moi Jésus. Et lorsque je suis seul, et lorsque je suis seul, et lorsque je suis seul, donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout ce monde, mais donne-moi Jésus. À la fin de mes jours, à la fin de mes jours, à la fin de mes jours, donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus, tu peux prendre tout ce monde. Donne-moi Jésus, donne-moi Jésus, donne-moi Jésus. Tout ce monde, tu peux prendre tout ce monde, tu peux prendre tout ce monde, mais donne-moi Jésus. Oh oui, tu peux prendre tout ce monde, mais donne-moi Jésus. Le thème du jour, rongé par la culpabilité, le psaume 51, versets 1 à 6, versets 11 à 14 et verset 19. On lit ensemble au chef de cœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute.
faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Des sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Oui, ce fameux chant, crée-moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il y a David Jeremiah qui disait ceci. La culpabilité est un géant au pouvoir intéressant. Ce géant est le plus invisible, mais le plus lourd de tous. Autour de nous, il y a des gens qui sont tellement écrasés, lentement étouffés par le géant de la culpabilité. Ils tuent lentement avec une douleur atroce. Wow! Le géant de la culpabilité. Lorsque nous regardons à la saga David Bathsheba, David avait tout ce qu'un être humain pouvait désirer sur cette terre. Il était roi de la plus grande nation du monde. Il était le choix de Dieu. Il était le choix du peuple. Il est passé d'un jeune berger incognito à l'homme le plus important de la planète. Et ça dit que David avait le cœur d'un artiste, l'âme d'un prêtre, la pensée d'un philosophe et le corps et l'étoffe d'un guerrier. Et avec les années, il s'est retiré, on n'a plus voulu qu'il vienne pour pas risquer sa vie sur la ligne de combat. Et on a dit à David, tu vas rester à la maison et tout ça. Et ça n'a pas été bon. Et nous connaissons l'histoire de ce qui s'est passé alors qu'en marchant sur le toit de sa maison, il a aperçu cette jolie femme appelée Bathsheba qui prenait son bain à l'extérieur et tellement attiré par cette femme qu'il ne pouvait plus la sortir de ses pensées. Alors il a envoyé quelqu'un la chercher et la coucher avec elle. Lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte de lui, il a voulu cacher son péché en envoyant Uri sans protection sur la ligne de front pour qu'il se fasse tuer. Imaginez. Alors nous connaissons la suite, alors que le prophète Nathan, évidemment Uri s'est fait tuer, le prophète Nathan l'a confronté avec son péché. David était captif de la culpabilité. Il mentionne dans le psaume 32, verset 4, « Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi, ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. » Alors, absolument, il était coincé dans ses pensées. Il était coincé, ne pouvant pas parler à ses amis, ne pouvant pas parler à même pour un moment à Dieu. Il savait qu'il était coupable d'atrocité. Il vivait avec cette culpabilité, non seulement d'adultère, mais de meurtre. Et il est dit que David a passé une année à vivre avec ce secret intolérable psychologiquement. Et dans son amour, Dieu a utilisé Nathan pour aller le confronter et le sortir de cette situation invivable. Et Nathan n'était pas sans savoir que le roi avait l'autorité de le faire tuer, de le faire disparaître lui aussi, s'il ouvrait sa bouche. Alors, cela a pris vraiment du courage de la part de Nathan pour confronter son roi qui venait de lui dire, justement, alors que Nathan lui a partagé une situation fictive, et David a dit, oh, qu'un tel homme qui a fait un tel geste mérite la mort. Et finalement, David venait de tout simplement déclarer son propre arrêt de mort, et Nathan qui lui dit, tu es cet homme, oh, pop, pop, tu es cet homme. Et évidemment, David
a accepté justement la responsabilité de son péché et Dieu lui a pardonné. Mais les conséquences de ses choix l'ont poursuivi le restant de sa vie. Par contre, il était libre dans ses pensées, il était libre dans son cœur, il était libre et soulagé par la grâce incomparable de Dieu que nous avons chanté ce matin. Et c'est ça ce qui fait toute la différence. Il était rongé par la culpabilité. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'être rongé par la culpabilité. Venez à lui, demandez pardon, réconciliez-vous avec Dieu, réconciliez-vous avec la personne avec qui vous avez une altercation, peu importe. Mais vous n'êtes pas obligé de marcher dans la culpabilité, ça va vous bouffer tout cru. C'est un géant sournois qui peut vous faire vivre des atrocités. Alors ne le laissez pas faire, vous avez la victoire sur lui. Alors on va prier si vous voulez bien. Yes. Seigneur, nous prions pour Martine, à qui l'on a diagnostiqué une maladie dégénérative qui vient et qu'il a subi une opération à la hanche à cause d'une fracture suite à une chute. Seigneur, merci de toucher Martine maintenant. Merci Seigneur pour Pamela, afin qu'elle puisse trouver un travail de lui au-delà de ses attentes. Seigneur, merci pour Michael, afin qu'il soit libéré de cet alcool. Prions pour Yanis. Merci de lui donner des résultats favorables suite à sa coloscopie. Prions pour la fille de Sabrina, 15 ans, qui a des pensées sombres suite à du harcèlement qu'elle a subi. Prions pour tous ceux et celles qui subissent un tel harcèlement et de l'intimidation afin de les protéger, de les garder. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs connectés aujourd'hui. Merci Seigneur de les bénir, de les accompagner tout au long de cette journée et de leur donner ta faveur, Seigneur, dans tout ce qu'ils ont à entreprendre. Ton précieux nom. Donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout ce monde. Mais donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout ce monde. Tu peux prendre tout ce monde. Tu peux prendre tout ce monde. Donne-moi Jésus. Soyez bénis dans cette journée. Que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.